Ouais, très cher internaute, si vous voulez vous abonner massivement à la site Nabisso Bilingue, site Erosol Télévision, vous pouvez vous abonner à la site Nabisso Bilingue, dans le monde entier. Bateau vous abonnez massivement. Bateau yo Cynthia Rosion Télévision. Écoutez la bande pour n'abîmer la moquille Mobimba. La personne motée dans la patronne Cynthia Erosion TV. Merci si vous allez. Oeza émission n'abîmer les merveilles du livre. Les merveilles du livre. Tout le bel livre nous soutient rien que la Bible. Actuellement au Congo, Oeza ma cambébélé Église corps du Christ. Oeza la crise y a enseignement. Ils ont la crise, il y a vérité. Nous avons le bar chaque fois que na Congo, na domaine nyonso na Congo, ils ont la bateau yo, ba batama, ils ont la bateau ba lobaka, même chouchou, congolais appelle ça bango l'autorité. La fois passée, tu as marqué l'apôtre Pierre Béni, à l'obéla qui sire les prophètes et la prophétie. Asa parmi vos ratères, on a cité la bisou bilinga cité Rosion Télévision, bah il pataki et puis beaucoup mais la bisou trop par rapport il y a intervention là. Lélo, tout le blessé l'impact de la foi na quatre églises. Tout ça na apôtre Pierre Béni église la Bergerie du Seigneur. Aux amis na quartier Batendede numéro 9 na commune Matete na Kinshasa. Donc tout ça na lélo apôtre bonjour. Oui bonjour. Apôtre, l'église corps du Christ est en crise d'enseignement. L'église de l'eau, beaucoup plus seront beaucoup plus spectacle qu'enseignement. Entre-temps, enseignement des bases. D'après Yoko définit foi, Nengeni. Merci. D'abord, la foi est spirituelle. Comme la parole de Dieu aussi est spirituelle. La prière aussi est spirituelle. Bibelobi, la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Donc, nous devons vivre foi, ce qui va communiquer les paroles. Nous avons l'église, nous devons vivre plus, prière à Moulaï, louange, adoration à Moulaï, parole, c'est tant que la parole de Dieu a pour rôle de communiquer la foi. Et ça, et si nous avons sa nourriture, la peuple, nous avons l'église, et ça, nous avons même un chrétien. Nous avons un chrétien, nous avons un chrétien, nous avons un problème. Apostasie, comme tu as dit, abandon de la foi. Donc, ils ont la foi au bateau. Il faut que tu aies la émission de l'Abisso. Nous avons trois fois, source et foi, Misato. Tu as la foi traditionnelle, où ils ont condimé beaucoup. Au moins, tu as la foi qui donc, c'est que bénédiction de l'Ezoya. Ça, c'est la foi traditionnelle. Tu as dit, non, mis n'a pas beta. Et ça, as on parlé de la foi traditionnelle, que as on remarqué comme si mon père moko azoya, mon tout ami soin à l'olémo, alobi, et ça comme si baso tongangai. Ça c'est la foi traditionnelle. Na kata foi traditionnelle, maman moko abota moi na naie à mon bal liboso, as on te kama pa, as on a besoin le client est au sommet loco, aye bisi client wana alobi. Non, si je suis bon, parce que la banda qui est en train de me faire, je suis bon, 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 parce que la journée n'a pas de bon, je suis bon, je suis ça, c'est la foi traditionnelle. Je suis bon, 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 la foi traditionnelle. Je suis bon, je suis victime de la foi traditionnelle. Papa a besoin de voyager. À chaque fois que vous voyagez, vous avez besoin de vous faire ici, il y a une protection. Et à côté de moi, on a besoin de vous faire un peu de la vie. Pour ce qui est de moi, je suis solo, je suis solo, je suis belaté, je suis zang de l'autre côté, je suis présence. Ça, c'est la foi traditionnelle. Au bas, bon, on a un salaire à l'Iboso. La Bible est une prémisse. Mais je suis un peu de la vie. Juste pour la condimer la tradition au bango bazo sal. Au Bible Lobinanga, dans Matthieu chapitre 15, dans verset 6, vous annulez la puissance de Dieu à cause de votre tradition. Donc, puissance en zambé au monde en athée pour la tradition. Ça, c'est la foi traditionnelle. Et deuxième fois, c'est la foi religieuse. Et ça, condima au bango bâtir l'église dans le bango local. L'église dans le bango. Tu sais, dans l'église, il y a un serviteur au bazo chapeauté. Au tobe na chef spirituel oh les puissants qui font la loi au moment mtu moko ayebisi bato to bana mba mishwa la pembe alors soka ke kuta na pasteur wa sana mshwa te au moment comme si pasteur azan le communiquer te bato msuba wit na baba mai lokola ba obenit
yo yebi batongo mosu alobi azana mai o babengi mai nkamba le soka en église o ba mai ba si se ba mai zate au mona comme si bon zambeto sacerdoce c'est au salaté sikawa pour aza habitué na foi religieuse na foi religieuse ezana ba ba sala ka will comme habitude ba sala ka mafuta comme habitude ba sala ka mungu comme habitude. Or, bah, tout ça, comme c'est le qu'on a habitude, c'est comme une foi mauvaise vendue, c'est comme une idolâtrie. Voilà. Donc, l'on fait, c'est qu'on a révélé, on a tant recommandé par le Seigneur. C'est ça la foi traditionnelle. Foi traditionnelle, au moment où on a voyagé, on a voyagé, on a voyagé, on a voyagé, ça, c'est la foi traditionnelle. Donc, vous annulez la foi, pardon, la foi religieuse. Et donc, comme ça, na, ils ont dit qu'à ma papa libanda, ils ont dit qu'à souki, bah, qui t'emballe les abats, discussion, mon bête. Parce que, au moins, la Bible, les autres, bah, mouchoir de tête, c'était le bi, foulard. Les autres, bah, voile. Au moins, la mouta commission, les gars, qui t'emballe. Et mingi, bah, même tradition dans mon église. La kati, à ma cambo église. Et comme il y a la doctrine, mon co. Oh, doctrine, les hébreux 6. Voilà. Doctrine ça makambona bo lobater ba kitambala. Ça n'a rien à voir avec la foi. Mais véritable foi, ezali la foi authentique. Donc la foi authentique, c'est la foi de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on attend. Romains chapitre 10 verset 17. La foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Or, c'est que la parole de Dieu est la mère de la foi. Donc yem ta bota ka kondima. Et ça ba spectacle te ko bota mutu kondima. On a une agitation, un mouvement, on a une piscine, un mouvement, le peuple. Mais c'est la pire parole. Quand quelqu'un a mis parole, la femme a perdu des sang. Elle avait tout gaspillé, mais elle avait un soulagement de l'autre côté. Mais elle avait entendu parler de Jésus. Si je puis seulement toucher ce vêtement, je serai guéri. C'est ça la foi authentique, la foi de la parole. Bartimée aussi, a yoki mungongo à Jésus, a crié fils de David, aie pitié de moi. On a une dame révélation, dans Bartimée son fils de David, aie pitié de moi. La révélation lingoloba, David de l'air a commencé à conquérir Jérusalem, a coûté un obstacle moko baveugle, na ba boité ba télé na kiyé. Alors a jiraki na gouvernance naie na royauté naie na palais royal ba vengre na ba handicapé ba kotaté oh déjà asungaka par alliance un boité au nom de Mephibosheth parce que avec la joie chance wanaté à contre la palais royalité mais yango bi yokanga mawa le roi osunga ba handicapé le roi Mephibosheth. Et si quelqu'un peut être aveugle, au Kangela Abisso, au Kandapoto, tout le monde a la bino. Tu le bagas ma bébé pour la papa la bino. Yamal dit, aie pitié de moi. Donc, au Kangela Mahoana, et ça te poison en Zela. Et ça que, au nom de tous les aveugles, au Kangela Abisso Mawa, tu résistes à qui tu veux soit papa Nayo. Donc, la foi authentique, de toi, on a besoin, la foi où est outil dans Katia et la parole de Dieu. Alors, par la définition, où la Bible, dans Hébreux 11, 6, la Bible dit. Il est impossible de lui être agréable sans la foi. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ce qu'il recherche. Or, ce qui nous a poussé, Fandi Makenzambaza, la foi, c'est vivre hors du commun. Donc, on monte, on compte la maman foi. Donc, on a un foufou, on a un foufou, on a un foufou, on a un condiment, on a un foufou, on a un condiment, ce qui est le condiment. C'est ça la foi. La démonstration des choses qu'on espère, celles qu'on ne voit pas. Voilà. Oh, la foi, se risquer et faire l'action. Qui ne risque rien et rien, selon le monde. Mais dans la foi, c'est un risque pour ne pas risquer. Okay. Oh, la foi, c'est vivre hors du commun, veut dire un fou. Oh, à croire. On va dire une histoire, Moko. Moi, Moko, à Seretouvaka, dans le 7e niveau à immeuble, nous avons dit bon, ma kangi. Nous avons dit bon, ma moi, voilà. Abi na ba parane ba dagina se na zo bua ka mo no na se ba tu ba zo le la solution ezate ba msu ba bibo sume ba musse bele botsa na se to mta li boma bua ka mo no yo to récupérer ata ku buka na te ba msu ba bito yo ba jene bele to tia awa pole ba bua ka mtuana biso to yambaye mais na kati ya makamba kondima y avait un pasteur
Atali mutalibo ma bino, faut la vivre le quoi mutalibo moi. Abibo son melanga gilette, pas toi bien. Tika ba dérangement wana. J'ai entendu ça mon pasteur. Abibo son melanga gilette. Ba son belé gilette. A fond les gilettes, atali si fou wana. Abit on ina maboko langa, mutalibo ma bi gilette. Abina contente na trois. Soko o kiti to tiki mo na onese kaza. Na zo kata immeuble. Na okata ngo o kubuka no kufa a. Alors, mutaliboma na dimension ya foi ya boya pasteur wana, mutaliboma bi, pardon, okata ngo na kufa na kita. Donc à vivre le la fou, quoi kota na monde o bat ba ko pénétrer. C'est ça la foi. La foi aussi c'est prendre Dieu au sérieux. Et sa promesse à mutape siote, et sa promesse à mobal na ote ni à gouvernement. Mais la foi qui vient de Dieu, c'est la foi authentique. Mm-hmm. Merci. Apôtre, mais on le dit, la foi c'est prendre Dieu au sérieux. Mm-hmm. Mais c'est comme si on croyait bien le nom l'église. Aux gens, on a montré à y être sur la foi, l'impact de la foi. Mais à son inaku, on y est été. Et ça par rapport à Nîmes, et ça par rapport à une chose qui est mal transmissive, il y a un message, ou bien le chrétien n'est pas commis bien crédible. Et ça, d'abord, la foi est un état d'esprit. Okay. Parce que mon anaté. Gédéon agit chapitre 6, à partir du 11e verset. Nous avons dit vaillant héros. Abi, attends, nani vaillant. C'est que je vais promettre que nous sommes dans la barre dans Zambé. Nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit une démonstration des choses qu'on espère. Gédéon a dit vaillant héros. Mais à plus, ça va vivre dans la pauvreté. Plus, ça va être esclave. Nangongawana, azale ko travailler na kata souffrance moko, abane ko luka ba prodigio ba tata na bango ba ono yebi sa bango. Se ke ba papa ba zo communiquer bango foi et bien fait. Ba yebi sa ki bango, mais étape ya vie, o ya ona baka kondima, ezate ko mona, mais kondimeza koyoka, ondimi makambo oyoki, pe o koti na kati ya pratique na yango. J'ai donc un dit maté, asa vaillant héros. Nous avons un ensemble, mais un dit maté. Et quelque part, la Bible, tant que vous avez un bon ensemble, 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 vous avez un bon ensemble. Alors, conception, il y a un bateau, il y a un bon ensemble, il y a un apo. Naibaki ndeko songolo naibaki ndeka kolaki siko la azote ya so yebe na bomontoni akala osali raté parce que ce sont des choses spirituelles. Oui. Donc tu as au communiquer foi qui t'a toi à recevoir na je sais maintenant ça salia et na tozo ba tosa la tente de la grâce. Tout le monde a vu la grâce parce que Bible dit nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi sans ça la condimaté grâce et ça dans la vie d'autre au telenga la pour rien nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Donc ezan livraison et sa communication. Okay. Donc, ce qui est l'accent dans la classe, à ce qu'on comprend, quand tu as l'appel, tu as communiqué. Est-ce que livraison est un malam? Donc, c'est ça le problème, il y a l'église à l'élo. Plus tu as besoin de spectacle, plus tu as besoin. Oh, il y a un créateur qui a fondé, fondé. Il y a un homme qui a chrétien tantôt plutôt. Au moment où il y a l'homme qui a fondé, il y a un homme qui a fondé. Mais mon temps coûte un homme qui a vraie foi. À côté quand ça m'était. OK. Il y a une Bible dit dans Daniel chapitre 11, verset numéro 32, c'est du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Mm-hmm. Donc la fermeté c'est ça veut dire la foi. Donc mon temps ça ferme. La foi c'est ferme assurance. Donc et loko ya sirengai. Mon temps la kinga za moi mon temps pour cause. C'est lui le créateur, c'est lui qui donne tout. Rien n'a été créé sans lui. Même si rien ne marche aujourd'hui, il appelle en existence les choses qui n'existaient pas. Comme exister. Voilà. Il y a moi il faut zana maloba ko yib sabat. Voilà, l'homme de Dieu, j'espère que tu nous comme un petit vers la fin, il y a entretien la mission yo. Et là on dit le lot, on ki ko yib sabat internet nyonso, peuple de Dieu nyonso. Oyo ba s'abonner à site na mission érosion télévision. Là on est comme ça bango comme élément clé au ba ko retenir par rapport ya foi. Et là, on a le bano d'abord, foi ça, que sur la nzambe peut vivre le roi nzambe. Ok. Tango na Devoir chapitre 7, premier verset. Tango nzambe, alobina bouche ya Élisée. Bazo ya poba kang Élisée parce que rien va ne marcher. Même le roi a comprendre incapacité à sauver le peuple naïe. Mais l'homme de Dieu alobi, ainsi dit l'Éternel,
demain à 7h. Demain veut dire un avenir plus proche. Et ça, comme Moussikate. Abi, demain à 7h. Prix à farine, à foufou et coquita. De 10 000 à 1000 francs. Et ça, qui impossible à croire, il y a un officier à roi lobby. Mais comment tu peux raisonner, boy? Sans tenir compte, il y a budget à Mboka. Sans tenir compte, que le pays était assiégé par les Syriens. Donc, tant que tu as la prise, bon, on a eu un coup de zambété. Zamba a besoin de tomate. Zamba a besoin de mari. Et ça, la mélanga, n'est pas le cas. Attends, la mobilité. Conception à Jésus qui est la parole, qui est la vie. Nazo la confiance na et ko sala madenge wa. Donc ndimanzam c'est connecter la parole de Dieu. Vande sika o bazo pesu espoir. Pour Christ la botami ba benya bonne nouvelle botami na mboka. Et logo ezo détruit foi na yo. Pasteur wazo condamné le lo. Pasteur wazo ibiso makambo sala. Pasteur wazo la so gravité à diable père maman mabé à diable. O fo balak sa o yo yeso sala pona biso. Et ozo on s'espoir kat na yo. Kola pambola biso. Voilà père. Sommes tenus à contacter parce que ça va te donner comme l'action à site Nabisho. Sommes tenus à contacter au numéro WhatsApp, na oyo cela na WhatsApp, na réseaux sociaux, bat internet dans ce bana mokimba. Ou elle na contacter à quoi genre comment et puis adresse valable ya église pour batuto banimba contacter yo na érosion télévision. Si tout numéro oyo ya WhatsApp est très important. Merci beaucoup. Mon salut Nabino sur le numéro puta naie plus 243. 81 067 26 92. Voilà, numéro Nanga, il y a WhatsApp. 081 067 26 92. Église Ezali Namatete, Église Mère, Batende D, numéro 9, derrière l'école, entrée Vitaïmana. Parce que l'île Nabiso Ezali, quoi, en Angile, quartier 8, Avenue, na quartier 8, toza en diagonale, na biochimité, toza en diagonale, na ancien bourgmestre à Yanjil, au Babinga Luemba, donc Avenue Buboto, numéro 9. Toza Sunangaba, na Avenue Mino Congo, toza numéro 24. Merci. Voilà, bah, moi, ma dédicace, ceux qui Ezali. Na Pessimote, na Ban Agnon, soya la bergerie. Na pesimbo te lisusu na ba aminyonso ko la prophète Eliloto na pesimbo te na évangéliste José Mfumu miracle na pesimbo te na pasteur Adalvi na pesimbo te na docteur Kakesa na pesimbo te na ba onyonso baza cher ponanga to zebele ko la pambola bino. Très chers internautes, voilà Isaki apôtre Pierre Béni, il y a église la bergerie du Seigneur na commune ya Matete na ville ya Kinshasa RD Congo. Voilà, selon le coup d'un apôtre Pierre Béni, nous commeler sur WhatsApp par rapport à l'enseignement plus 243 81 067 26 92. Voilà numéro ya apôtre Pierre Béni. Notre sœur nous a les merveilles du livre, rien que la vérité, rien que pire enseignement. Aux amis sur pas spectacle été, enseignant nous avons bien regardé la site érosion télévision, n'a plus précisément émission les merveilles du livre. Tout le prochainement avec l'apôtre Pierre Béni, surtout dans l'émission débat. Émission débat, nous avons servi nos débats chrétiens. C'est-à-dire, toi et moi, maître Issa, un musulman, n'a apôtre Pierre Béni, n'a pasteur Adalvi Jérémie Lelo. Et vous allez dimanche en direct sur érosion télévision. Bon s'abonner, bon ben, bon comment direct parce que est-ce que Jésus-Christ est réellement prophète? Les musulmans vont prouver. Ça ne peut pas prouver si réellement Jésus-Christ est prophète ou bien un zambé. Débat chrétien avec Apôtre du Coco. Ciao.